to your favorite modern world. Bonjour tout le monde! Une fois n'est pas coutume, c'est une pochette qui m'a inspiré la chronique de cette semaine. Il est vrai que je suis très attaché au visuel des albums, mais de là à écouter un disque juste pour son artwork, il y a une limite que je ne franchirai peut-être pas. Don't Think About Death du groupe Chalk Hands m'a pourtant tapé dans l'œil avant d'arriver jusqu'à mon oreille. Il faut dire que les étiquettes post-hardcore, punk et post-rock ne sont pas forcément celles qui me vendent le mieux une musique. Le groupe, aux têtes de Winner, vient de Brighton. Il est né en 2017 et c'est leur premier album après deux EP sortis en 2017 et 2019, plus quelques singles. La pochette en question me fait songer à la perspective de Selling England by the Pound de Genesis, dans laquelle une vague immense aurait tout submergé. Une maison, une table, une porte, une chaise, une horloge, des livres, un pot de fleurs et plein d'autres objets sont emportés par un tsunami et vont s'écraser sur une plage de galets multicolores. Et au cœur de cette vague s'ouvre une porte sombre et deux silhouettes humaines esquissées à la craie se tiennent de chaque côté de la grève. L'album, lui, propose 8 morceaux de 2 à 6 minutes, criés, dont un en français sur une musique que l'on pourrait qualifier de post-rock. Oui, ça crie, ça hurle même, un chant parlé, écorché, saisissant, qui n'est pas sans me rappeler le groupe de Dali Sundering Concept. Alors évidemment, ami Proged, le groupe Chalk Hands risque de vous gratter les oreilles. Pourtant, Don't Think About Death mérite vraiment la découverte. Si on oublie un instant le chant torturé, qui occupe tout de même beaucoup d'espace, on s'aperçoit que l'album s'articule autour de guitares post-rock subtiles, quasi pliniesques. Elles offrent une très large palette de nuances et la batterie explosive est d'une rare complexité, comme dans le premier titre, Failed Grasp Restore. Hurler en français, les jours passent et ne se ressemblent pas, donne une belle idée de la noirceur des thèmes abordés dans l'album. Le dernier morceau, The Bridge, un instrumental de presque 6 minutes, livre un post-rock cinématique libérateur après presque une demi-heure de souffrance à fleur de peau. Ces deux pièces résument assez bien Don't Think About Death. Un album court et impressionnant, tant au niveau vocal qu'instrumental. Certes, si vous n'aimez pas le chant hardcore torturé, vous allez avoir du mal à passer le cap du premier morceau. Mais essayez tout de même, vous m'en direz des nouvelles. C'est tout pour aujourd'hui. À lundi prochain pour une nouvelle découverte. Et comme toujours, vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique. Et si vous voulez suivre les autres, abonnez-vous. Nous venons justement de passer le cap des 200 abonnés. Merci à vous. Bisous.